Donc bah où est-ce qu'on est là alors? Alors, vous êtes à Viroval, dans Oui. la magnifique vallée de Munster. C'est vrai, elle est sympathique. Un petit topo sur la vallée. Donc vous avez combien d'hectares à peu près? Nous travaillons une quinzaine d'hectares Ouais. sur trois lieux-dits principaux. Donc ici, vous êtes sur le Heerenreben, D'accord. qui autrefois était les vignes des Ribeaupières, le nom Heerenreben, vigne des seigneurs. D'accord. Ensuite, on travaille un autre terroir qui s'appelle le Holder. Donc, toujours du granit partout, hein, mais un granit avec un plus de veines glaiseuses dans le Holder. Et puis, on a également le Linzenberg, donc, qui lui est un sol beaucoup plus squelettique sur lequel on cultive majoritairement du Riesling. D'accord. Et donc, au niveau, dans le village, où est-ce qu'on est, si vous avez dit? À Viroval, Virovald, la d'accord. vallée de Donc Munster. c'est au nord, c'est à côté de Colmar. Alors nous sommes situés à l'ouest de Colmar, Ouais. donc de ce fait, nous sommes non pas en exposition est, mais en exposition plein sud. Donc on D'accord. bénéficie Voilà, on d'un le voit bien. excellent rayonnement du soleil pendant la journée. D'accord. Par contre, comme vous pouvez le voir, on est plus près des montagnes, donc plus haut en altitude, ce qui D'accord. fait qu'on va avoir des nuits plus fraîches. On a donc un microclimat encore un peu plus semi-continental que la majorité des vignobles alsaciens. D'accord. Et au niveau du travail de la vigne, vous avez quelque chose en particulier Alors, au niveau du travail de la vigne, on fait en sorte de mettre le plus en valeur possible les terroirs, évidemment. Oui. Donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, Oui, il y a de on l'herbe, travaille plutôt en luttant hein. intégré. Hein. Alors, on laisse pousser l'herbe à la fois pour lutter contre l'érosion, pour faire en sorte que la vigne soit concurrencée de manière à ce que les racines descendent le plus profondément possible dans le granit. D'accord. Voilà, et après, au niveau des travaux en verre, on fait énormément de travaux manuellement, de manière à répartir la végétation le mieux possible, de limiter le plus possible les risques de développement de maladies, pour être amené à faire le moins de traitements possible aussi. Donc, D'accord. notre souci, c'est d'être le plus respectueux possible de cet environnement qui est absolument magnifique. Vous avez tout à fait raison. Et au niveau de la, juste rapide, un petit topo sur le travail en cave, si vous avez comment vous travaillez un Alors, petit le peu. travail en cave, c'est plus le travail d'Henri, hein, D'accord. qui lui fait en sorte d'être le plus respectueux possible des raisins qu'on lui amène. Donc, il va limiter au maximum les manipulations et qui Mais laisser va faire les tâcher de choses laisser de faire la la nature. nature Voilà. voilà, le plus possible. Ok, bon, merci. Hein.